N'a pas vu, ça c'est Pierre Marie-Henri qui a quitté l'espace. Pierre Marie-Henri qui a quitté l'espace là. Et pour le moment là, ça c'est cortège PM qui a quitté l'espace là pour le moment là. Donc, quand tu dis
Nous saluons la presse parlée et puis télévisée et les arrivants qui répondent présents dans la conférence de la presse. Parti socio-politique d'Haïti a fait conférence de presse à matin pour fixer position par rapport à ce qui a passé pays et par rapport à tout ce qui a passé peuple. Il va être constaté depuis 2 ans le gouvernement Ariel là dans notre pays. C'est grand coup, c'est misère, c'est chômage, c'est la richesse, c'est l'insécurité, c'est gang tout partout, c'est le groupe national qui va vous préoccuper par groupe armé. Alors que le pouvoir passé pour être dit, la garde des peuples qui n'ont pas voulu se la garde des peuples qui sont victimes d'insécurité, la garde des petits peuples qui n'ont pas à l'autre des pays. Parce que tout bon intellectuel, tout bon professionnel, censé approuver les pays alors que pas les gagner. Donc par rapport à ça, il va être ici, là, on peut être capable de gouvernement à l'île là, nous avons dit 0 sur toute l'année. 0, pas les gagner qui fait, alors que les gens ne veulent pas tout, c'est faire élection. Faire élection pendant un pays pas consommé. Faire élection pendant un pays dans le fermoir. Faire élection pendant un pays dans l'insécurité. Faire élection pendant un pays. Occuper tout le national, nous occuper par les bandits, donc nous disons que c'est 0 sur le plan. Mais quand on a dit 0 sur le plan, il ne va pas avoir fait aucune agence contre la suite, le tribunal renforcé, l'ennemi. Beaucoup de monde, je dis, ont fait des mosaïques, des mosaïques dans le pays, alors que 20 ans de cela, ils ont empêché 200 ans d'indépendance pour le pays. 20 ans de cela, ils ont entré en grand commissariat. Grâce au commissariat, pour les commissariats, faire même action gagner à faire aujourd'hui. Je dis à l'Ivaïti, très mal compris. Comment c'est même équipe Mounsaïo qui a chamé le monde avec une parole de révolution. Nous avons toute forme de révolution qui peut déchouquer les savoirs de notre pays. Parce qu'il va vous la politique. Mais à faire corps avec assassin, à faire corps avec Tilebourg, à faire corps avec SNR, donc l'Ivaïti ne va prendre aucun mal de c'est ça. Donc, maintenant, là, vous nous dites, peuple haïtien, nous, moi, bandits, ça, on a parlé, il a dit, police nationale n'a pas de sécurité, l'armée d'Haïti n'a pas de sécurité. C'est mon premier temps, c'est avec l'uniforme, l'armée d'Haïti, qui était habillé, qui était entré dans le commissariat, crasé le commissariat, boule le commissariat, tout était coupé, tête policier. Donc, je dis, son nom qui s'image, toutes les institutions, qui a servi avec aujourd'hui, par rapport à faiblesse, institutions, pour une lade pays à l'ensemble. Maintenant, nous venons dire, collègues, nous savons, nous connaissons très bien le bataille, nous connaissons très bien tout, ça a fait là, il va nous côté le carrivé. Les affaires nous disent, peuple là. C'est normal pour boumer avec Ariel, parce qu'Ariel ne répond pas à des immigrants. Ariel ne répond pas à des gens. Mais là, qui dit empêché de payer à tout le monde, 200 ans de payer à tout le monde. Là, qui dit empêché de payer à tout le monde, je veux dire, il va nous tourner dans ce monde, à vivre cher bête. Les affaires, il y a une question à poser. Nous, à Jean-Pierre, nous déconnons tout ça, nous construit. Nous protéger zone qui vient de droit, zone qui vient d'espèce qui vient de disparition, zone tout qui vient d'abdou. Mais malheureusement, je dis à nous, ce n'est pas ça la question. Et nous, les gars, dans toute la rue, avec tout vos amis dans le monde, personne ne va poser aux questions. Quand il y a aujourd'hui vos amis, neuf ça. Personne ne va poser aux questions. Côté aux joints, il faut 9 ça aussi. Personne ne va poser aux questions. Côté aux joints, il y a quoi pour y entraîner parce que chaque fois, alors que nous connaissons ici, c'est sur l'État, l'État pas payé chaque mois. Mais par contre, budget de l'État a fait, mais pour moi, il y a ça, nous, comment le je dis à lui demander pourquoi. Est-ce que son forme de ministre, il crée là encore? Si c'est ça, c'est pour dire, nous-mêmes, nous comprenons qui ça, mais nous n'avons jamais le copier. Mais vous demandez à la police qui voit le bagage ça. Parce que moi, je dis que je vais m'acheter les gens, je vais me dire que 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 je vais me
mettre casque sous tête uniforme, mais ça dessus. Pourquoi un vision de la guerre uniforme, mais ça dessus. Pourquoi un dépôt de bandit dans la guerre là, afin d'uniforme, mais ça dessus. Que nous ne pouvons pas passer. Mais cependant, nous dit, la police peut prendre responsabilité dans l'arrêt. Quand même, dans tout ce qui a parlé de l'OBE qui a passé, mais nous avons fait une question de dialogue qui a fait en catimini là. Dialogue ça, c'est depuis le peuple qui a posé à des questions par rapport à la misère, le chômage, la richesse, la sécurité. Soudainement, bon dialogue en cachette qui a fait. Bon chita a parlé de petit point qui a fait. Et bon groupe monde, il y a chita en bachal, côté poste à négocier, job à négocier, intérêt personnel à négocier, mais intérêt pays à parler. Intérêt peuple à parler. Intérêt monde qui peut mal parler. Maintenant, nous voulons poser question, dialogue ça à qui ça le pays à passer par là. Nous voulons marcher pour ces sacs à là, c'est pour question de cette journée qui va arriver là. Pendant la chose à faire pour cette journée qui va arriver dans quelques jours là, mais par contre, bon, bonne institution là, eh bien, les quelques mondes là, le mandat va commencer à finir. Là, pour un exemple, la foule, vous suivez les comptes, le mandat va finir. L'OPC, le mandat va finir. L'aide va rien pour. Mission à rien à finir, c'est finir par le militaire. Chita va dire qu'il va faire de la race, on va se faire de la l'autre accord, et bien pour rien, le militaire. Le militaire fait ça. Pendant le groupe, pendant le misère, pendant le chômage, pendant la richesse, pendant le sécurité, on va pas dire rien. Et puis, là, vous voulez être là. Vous voulez être là, mais qui intérêt? Vous voulez être là pour faire qui ça? Vous voulez être là pour qui résultat? C'est ça que nous, nous voulons poser des questions là à matin. Mais en même temps, tout, pendant le dialogue, ça y est, et bien, il y a un parti politique. Il y a un leader politique qui sous-tape dialogue, il y a un ministère intérieur, il y a un ministère de la justice. Il y a même arrivé dans la direction générale de la police sous ta place, alors que tout le monde connaît la police une institution qui a politique. Beaucoup de la loi pour dans l'élection pour réclamer pour le bon direction générale de la police. C'est un autre la petite forme de l'élection par le général. Ou même qui va dans l'élection là pour tirer sur corps dans l'élection. Est-ce que c'est des blocs à l'école? Est-ce qu'on va dire la police en quoi faire personnel de loi connaître? Mais ça qui est important, nous dire la police en une institution apolitique. Nous ne pouvons plus d'avoir aucun nègre mettre sous table de négociation, parce que gens la police ont déjà des problèmes là. Nous ne pouvons plus d'avoir une situation pour lui créer plus de problèmes que les gens qui sont là. Comme on a arrêté de nous dire à la Gaspère, nous ne pouvons jamais faire, nous ne pouvons jamais faire dans l'histoire pour dire que général de la police sous table, vous ministre de la justice sous table. Alors que l'institution, c'est une institution qui a supposé être indépendante pour ce pays. Bon, le parti politique pour le ministère de la justice. Je veux dire, pour passer à la justice, pour attaquer la justice. Pour passer à la justice comme baïonnette pour attaquer le monde qui va d'accord avant. Pour passer à la justice, mais pour servir avec tout le monde qui dit que je ne veux pas supporter l'élection. Donc, je veux ça, comme je l'ai là, il va essayer de nous comprendre. Et nous, Winzi, nous allons accepter sa paix. Pendant nous, pour dialogue. Nous ne pouvons pas dire pas pour le dialogue. Nous pouvons dialogue pour politiser le pays à nos débuts là. Parce que le cas fou que nous là, n'importe qui a débouché son guerre civile. N'importe qui a débouché son déchoucaille. N'importe qui a déchouqué ou qui a débouché son bagaille, personne ne va t'attendre. Nous ne pouvons pas souhaiter un bon matin, nous lever, nous ouvrir, ça passe le mandat et nous passer là. Même si bon point de la mandat, nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas arriver, il va ici. Nous allons souhaiter un bon matin et nous voir ces cadavres qui compter dans la vie. C'est cadavre à compter le pays là. Mais je veux dire, tout le monde, non seulement le pays là pour nous, nous allons souhaiter ça qui a débouché là pour déboucher sur le civil. Alors c'est ça, il va être des commissaires. On dit que le pays essayant, contrôler l'émotion, contrôler la frustration nous, et pas faire aucune alliance contre la nature dans les deux pays là. Merci. Très bien. Vous voyez ça? Au tribunal. Une seconde, s'il vous plaît. Non, ce sont pas les problèmes. C'est bon.
Et j'ai fait un bouchon. Maman, il est toi. En boxe, 21, je suis Bivaïti Kotor pour nous parler avec la population haïtienne grâce à la contribution des dialogues qui répondent présents à la conférence en parterre. Et Claudia, je ne peux pas constater finalement pour tout à poser une question. Qui s'est là dans le pays d'Haïti pour nous fier que nous avons République, parce que c'est des autres de la capitale. Et vous venez constater à travers les autres arts, par contre, qui nous qui a une responsabilité pour faire quelque chose. Donc, son société, nous sommes capables de dire, nous avons son société qui n'a pas pu contribuer. Tout le monde fait ça, vous voulez. De façon de vivre. Et il n'y a pas de monde qui va poser aux questions. Et ça, il vient créer une peur, la carte population, à côté des problèmes, la richesse, grand boule gagné, chômage, cap manger, et bien, il vient créer pour l'autre bagaille pour mettre derrière, qui c'est des moules pour la loi, ainsi de suite. Je dis à nous-mêmes, on notre fois encore, au niveau Rivaïti, nous vivons avec la population. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas résister. Il y a des gens qui ne vont pas camper. Ils sont obligés d'aller aux États-Unis travailler. Ils sont obligés d'aller au Nicaragua pour atteindre aux États-Unis. Mais il y a des gens qui ont décidé de camper pour une bataille. Parce que, en 1802-1803, et bien avant même 1791, sans cette nuit, il était dans plus de difficultés passées. Il était armé de courage pour décamper, pour faire face avec Colombo dans l'époque, parce que c'était assez chemin. Je dis à lui permettre de l'élévation. Si nous tous, on décide, c'est courir la courir. La courir pour la guerre, pour la fête, qui ça? Payer ça dans l'équipe pour nous battre. C'est vrai, souvent nous vous dit, c'est nous qui n'est pas capable avec les signes qui nous disent dans le pays. Mais il y a des gens tout qui acceptent de faire sacrifice. Qui ont des possibilités de nous quitter. Mais acceptent de faire sacrifice. Parce qu'ils ont dit, pays ça ne pas quitter pour personne. Parce que les fois qu'on fait, soit dans le pays, soit avec le pays qui dit aux hommes Haïti, au lieu de vous résoudre la crise. Nous qui sommes là, en tant que amis, c'est nous ça aussi. Pour ces portes qui ont ouvert, nous avons appelé tout le monde qui est dans la galabie. Mais l'un qui est dans la galabie, qu'est-ce qui va nous donner? Est-ce qu'il a couvert des vies? Et c'est nous ça, oui. Partir nous-mêmes au niveau du Haïti. Nous avons dit, toute panique qui a créé un pays là, c'est pour mettre nous tous dans une situation pour quitter des vies. Soit au niveau pouvoir, soit au niveau international. Nous ne faisons pas faire bac. Nous ne faisons pas faire bac. Pour ne pas faire bac. C'est vrai, la bataille là, souvent, chaque fois que les batailles là, mon côté bataille arrivé, mon groupe de monde, machine, mobilisation, machine bataille là, nous faisons pour ne pas faire. Sous ma télé, il fait. Je dis à ce que je fais. Donc, ça a découragé. Nous ne sommes pas dans la société pour la bataille. Au contraire, nous même au niveau du Haïti, nous avons découragé tout. Mais ça renforce nous pour que j'en ai pas dans l'Israël, l'autre génération qui a fini pour le partir de ça comme exemple. C'est ça que nous disons là. Il faut continuer à afficher le sens de bravoure, la caillerie, pour continuer la bataille pour nationalité de l'État. Deuxièmement, depuis. Il y a environ deux semaines, mon bagage a fait au niveau de la justice avec le juge Adunel dimanche. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il n'y a pas de juge. Les gens qui comprennent, il faut que le juge a servi avec la police du SCA pour aider avec les soldats. Il détruit tout la police du SCA. La police du SCA sous disparition
matériel de l'État pendant caravane Joseph avec caravane Jovenel Moïse, monsieur quitté sa rapport, l'aller dans l'autre bagaille qui n'a pas fait partie du rapport. Alors c'est rapport ULCCA, il est clair, il est bien défini pour dire que c'est des matériels de l'État. Pendant l'époque caravane et caravane Jovenel là, soit au niveau CNE, soit au niveau de PTC, bon pas de monde qui est dans la caravane, qui prend matériel ça, matériel n'a pas retourné. En deux institutions ça. ULCC mandé avec la justice pour chercher pour ça au déroyé, faire retourner avec matériel. Avec matériel. Judas pour lui fait ça. Ou elle font plonger. Chercher des vice-présidents, des vice-premiers ministres, il garde tout qui voulait mandat. Et non seulement il voulait mandat. Il dit qu'il voulait mandat. Mounio n'a pas reçu le mandat. Il prend sortir en ordonnance. Jusqu'à minute quand il a parlé là, tout le monde dit qu'il va recevoir ordonnance qui sortira. Qui ça le fait? D'après la justice, au niveau parquet de Port-au-Prince, nous avons dit qu'il a sorti en ordonnance pour les signifier parti. Il dit qu'il conseille l'ordonnance, il voulait pas les CPJ. Puis il veut dire la justice. Des CPJ par huissier. Donc, juste pour nous-mêmes, la tribu a fait un souvenir de vie. Non, détruire sale image, conseiller les mondes. Et profiter tout, conseiller les mondes. Il m'a donné tout par clé déjà. Mais gaspiller la jeune fille, un peu comme une population qui a été bourrée, parce que avec lui, ça l'a cherché à vous le bâton. Et nous disons juste là, la parole à faire, il n'est pas bon pour lui. Il n'est pas bon pour la justice. La justice a tout déjà en faiblesse. J'en appelle là pour faire pour détruire la justice. Je demande pour repenser, pour regarder qui ça la loi dit dans le cas du monde, qui ne soit président, premier ministre ou bien ministre, pendant l'exercice fonctionne, qui ça la loi dit, qui ça la loi dit, qui ça la loi dit le monde. Je demande déjà pour le faire, pour dire, garder dans le mandat du royaume, pour voir qui j'en ai même dit pour aborder la question. Justice, ça c'est vrai, matériel de l'État est au-delà. En plus, matériel de l'État, nous connaissons tout, nous connaissons les besoins avec nous. Si elle était conseillée de matériel, mais pas pour nous dire à marcher en bas, que matériel ça c'est compliqué. Il faut nous joindre. Si les caravanes jovenelles là, chaque côté à avec eux, soit député, maïsa ou bien amis, ils ont pris eux. Caravanes jovenelles là, encore de l'Agence nationale. C'est lui qui a une responsabilité de distribuer des matériels. Mais côté coordonnateur national, ça. T'es compris que je vois l'opérateur de la caravane journal là, la distribution matérielle. Côté Moussaro, nous c'est juge là, c'est pas libre de la gare là, nous-mêmes qu'on n'a pas compris, pourquoi, puisque son bataille contre la corruption, donc population va le voter pour derrière, pour nous féliciter, pour nous faire derrière, et puis ça va chercher à vous joindre. Nous disons que la justice, c'est pas ça va chercher. Nous faisons la justice à fonctionnelle. Nous besoin la justice à camper sous des villes. Les la coumé pour faire pour respecter la loi, mais ce n'est pas le la servir avec la justice pour régler le problème des soins. Là, ça c'est pour la préparer pour finir, pour nous dire. Et négociation, pour la partie ministre, ce n'est pas bon pour le pays. En 2014, pour faire expérience avec la pelle dans la corée dans le show. Qui résultat est deux, trois jours, le gouvernement est tombé encore. Parce que c'est ça, ça paye à la matin. C'est pas ça paye à l'évêque. Je dis à la Chita avec deux, trois jours, avec 600 000. Dis, on va faire négociation pour un accord pour changer le gouvernement. Mais à la manière de Ellen Show, pour qu'il y ait résultat. Ah, ça n'a pas bon sens. Peut-être a besoin d'une solution. Une solution qui pour montrer, nous avons pas insécurité. Il y a une solution qui pour montrer l'élevé de la caille par des bandits, par des gangs, qui a pu tuer, qui a pu brûler, qui a pu voler à faire pour mettre le dehors. Toute solution dans les populations populaires, c'est ça qu'on a besoin. Il n'y a pas besoin de solution de maquillage, quand il y a un partage de responsabilité, partage de force, partage de gâteau avec 10 amis. Mais je dis, parce que nous avons dirigé, avec nous qui avons négocié, je pense qu'au moins il faut la conscience.
Je dis à un bon poste ministre, ou pour une direction générale, non, mais où? Et puis, on ne peut pas passer à quel côté en dehors. Ou dans la prison, même. On ne peut pas calmer ça, on ne peut pas calmer ça. Même si on a des machines blindées dans le monde. Donc, il faut qu'on retourne dans nous-mêmes pour voir le problème qui s'allie. Le problème, ce n'est pas un problème personnel. C'est pas un problème dans une situation difficile. Mais il faut passer ensemble avec lui pour résoudre le problème. Et puis, pour guider le pays, à dévergoler les gens, à dévergoler. Donc, nous demandons avec la population. Gentiment de sortir, après la quelle émotion. Mettez tête sous ses épaules pour défendre l'intérieur, pour défendre l'intérêt. Merci. Nous avons fait cela, pour mentionner que. Moi, il a fait ma robe à dominer. Identifié à Amen. À Carlotte Boubrun. Comme on ne peut pas l'avant. Voilà. Après, il y a les métallés. Voilà. Merci. Monsieur Neguer, il faut du silence. Merci. Nous saluons la presse parlée, écrite et télévisée, qui est avec nous dans la conférence de presse. Madame, le 7 janvier 2020. Mais moi, dis-nous, on va parler de. Pour notre amour, on va parler de. Comité syndicat Jacques là m'a parlé de secteur revendicatif là qui là qui est représenté par Odyssée Juste m'a parlé de secteur ouvrier qui là nous avons Télémac qui est avec nous qui est à droite nous avons des camarades d'horizon qui là Vador qui là et Roseau qui l'a, Grignon qui l'a, et tout le secteur revendicatif qui est ouvrier, syndicat, travailleur qui sont tout le pays qui avec nous dans la conférence de Pessa. Objectif conférence de Pessa, alors il y a trois objectifs. Le premier objectif là, c'est pour nous rappeler un état des lieux catastrophique du pouvoir en place après 3 ans que le pouvoir qu'il a qui est en tête le docteur Ariel Henry avec un gouvernement qui établit dans tête pays nous capable dire sans légitimité constitutionnelle sans un consensus populaire. Et là, nous considérer que pouvoir ça, qui a gagné une mission spécifique, qui c'était d'abord pour adresser problème insécurité, pour adresser problème question institutionnelle, donc pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. Là, nous considérer et que pour voir ça après 3 ans, il n'y a pas arrivé à aborder problème ça. Au point que tout le monde qui est là, assistance qui est avec nous là, qui fait le déplacement, constate, au lieu que y ait amélioration, problème y a une plus grave. Il y a une plus grave parce que, premièrement, ce pouvoir en place, il n'est pas mettre à la hauteur. Il n'est pas montré que la volonté pour adresser les problèmes ouvriers, les problèmes travailleurs, les problèmes quartiers populaires, qui fait que je dis
ou gagner tout quartier populaire yo qui tête en bas. Et au lieu yo attaquer problème sécurité yo, nous comprenons que le gouvernement ça a associé à un groupe mafieux national et international pour mettre le peuple haïtien dans plus de problèmes. Nous considérons que le secteur textile là, qui a gagné 60 000 jobs, et je dis, il était moins que 30 000, donc il a perdu plus que 50% de ce qu'il a gagné. Et pire de tout cela, pas aucune volonté du ministère des Affaires sociales et du travail pour aborder le problème ça. Les nous considérer, je dis, dans le quartier populaire, les gens ne connaissent pas qui c'est pour les agresser. Parce que je dis, pour voir ça associer la tout qui les amène, pour persécuter tout le monde, parce qu'ils ont décidé de rester au pouvoir. C'est seule logique et stratégie qu'ils ont utilisé pour rester au pouvoir. Donc non seulement, groupe ça qui constitue l'État aujourd'hui, il n'y a non seulement pas fait pour le peuple, mais il a constitué tête comme ennemi peuple haïtien. Deuxième objectif là, c'était pour nous demander, après toute considération que peuple haïtien fait, que ouvrier au fait, travail au fait, agent sécurité au fait, imagine qui dans la rue a fait, quartier populaire au fait, paysan au fait. Deuxième objectif de conférence de Pessah, c'est pour nous demander au premier ministre Ariel Henry pour tirer la révérence de l'échec que seul monde qui n'a pas pouvoir pour côté, capter tes pouvoirs, pas ouais. Parce que je dis, monde qui n'a pas Matissan, monde qui n'a pas Mariani, monde qui n'a pas Quatrefeuille, monde qui n'a pas Belet, monde qui n'a pas Tabac, monde qui tout partout dans le pays, il est obligé de quitter la caillou et au baron qui l'est après tout même. Qui donc, nous venons dans la conférence de Pessah pour nous demander au premier ministre à rien envie. Pour tirer la révérence. Pour le rendre compte que le pari n'est pas vrai, il n'est pas de volonté et il n'est pas capable d'aborder le grand problème que le pays a fait face aujourd'hui et surtout retourner à l'ordre constitutionnel. Et troisième objectif de conférence de Pessah, c'était pour nous lancer et d'accord, adhérer à tout mouvement, généralement quelconque, qu'a fait dans le pays pour nous arriver à aborder les problèmes que nous sommes dit là. Premièrement, problème de sécurité. Les gens qui déplacent, qui quittent la caillou et qui dorment devant votre caillou, nous avons besoin, je dis, d'aborder le problème ça pour nous retourner la caillou. Parce que il y a un peu de monde qui quitte la caillou et je dis qu'il y a deux mille et vingt comme 10 monde. Nous avons besoin qu'on ait, nous besoin d'installer une nouvelle équipe qui pour aborder la question de sécurité et bailler la population en sécurité. Nous avons besoin d'une nouvelle équipe qui pour aborder la question comment retourner à l'ordre constitutionnel pour organiser les élections honnêtes, libres et démocratiques pour nous doter pays donc des institutions qui aptes à gérer la continuité de l'État valablement. Et dernier bagage que dernier point que nous venons pour nous lancer à l'ensemble de la communauté haïtienne, à la population haïtienne, que ce soit ça qui cite, que ce soit ça qui l'a demandé. C'est pour nous demander à la classe politique pour faire très attention. Après 3 ans, yo bail premier ministre à gouvernement 2 accords, li pas respecté même youn. Et moun qui était rentré dans la logique séparatoire avec yo, moi sur les réseaux sociaux, je dis à comment y a plaigné. Parce que monsieur pas respecté même youn point dans l'accord. Donc je dis à ce que nous lançons appel à la classe politique pour nous dire fais attention parce que j'ai peuple arrivé sous yo et peuple ouais c'est mesdames qui sont rentrés avec Ariel et je dis à Ariel passez dans farine et si Ariel passez dans farine à tout
gouvernement là, je dis à peuple haïtien, il faut faire attention, pas qu'aucun parti politique, pas qu'aucun groupe organisé dans le pays qui respecte les peuples et qui respecte les peuples haïtiens, qui a arrangé le droit aujourd'hui en bataille pour la signer aucun nouveau accord avec le premier ministre et le gouvernement Ariel Henry. D'ailleurs, nous, ça a fait l'ancien premier ministre Claude Joseph, qui semblait qu'il était échappé, il allait aller là-bas, il a fait un petit coup de mal taillé. Oui, il n'a pas quand même fait un petit coup de mal taillé. Non, il a tenu toute la vie, même gouvernement utilisé des gens à côté pour saccager. Et je dis à mes messieurs obligés de demander pardon tout partout sur les réseaux sociaux. Qui donc nous demander à la classe politique là, fais attention à gouvernement ça. Fais attention à Premier ministre Ariel Henry. Ce ne sont pas des hommes responsables. Ce ne sont pas des hommes d'État. Et je dis à le secteur revendicatif, qui est ouvrier, qui est travailleur, qui est dans quatre pays, nous demandons de prendre responsabilité. Nous demandons nous-mêmes en tant que journalistes, prendre responsabilité. Nous demandons de représentants du secteur revendicatif qui là. Ouvrier, travailleur, syndicat, tout ce qu'il a. Mais faut former de nous, prend responsabilité. Merci. Donc, et à la presse pour les questions de clarification. Merci. Oui. Merci. 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 Non. Merci. Non. Yo, original. Ça m'a tout eu. C'est un goût, mais ça m'a fait bot sur eux. Ok. Non, sérieux. Franchement. Regardez son menu. Chanson. Créole pour mon SPS, son choix qu'il dit. Bon. Créole pour mon SPS, son choix lui. Et moi, c'est créole pour mon SPS, fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus grosse plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre. Et qui sont plus tôt. Créole pour moi, sans souffle. Ciao.